Hey hey hey, bienvenue sur Max Gaming, on se retrouve aujourd'hui pour la suite du jeu Star Wars Jedi Fallen Order. Wouh, je suis un Jedi, on est sur une nouvelle planète qu'on vient d'arriver dessus, quoi. Enfin, c'est pas très français, mais vous m'avez compris. On vient d'arriver sur cette planète, je ne sais plus comment elle s'appelle. Attendez, est-ce que si je fais start... Non, je ne peux pas savoir. Juste, on en parle de la beauté de ce jeu. Non mais regardez-moi l'eau, les mouvements, les pas, les petites vagues, les petites herbes, l'ambiance, la lumière... Est-ce qu'on a déjà vu jeu plus beau que ça? Je suis pas certain. Bon, en tout cas, juste avant de continuer l'aventure, j'ai eu un point de compétence et j'ai envie d'aller faire un petit tour ici. Est-ce que je peux modifier quelque chose dans personnalisation? Je n'ai qu'un poncho ferrailleur. Non, je vais garder mon poncho. Ceci dit, j'ai l'édition Deluxe. Il y avait un code pour avoir des tenues ou je sais pas. Ou alors c'était pour un petit robot qui va m'accompagner après, je ne sais pas. En tout cas, pour l'instant, bah, je ne peux pas améliorer mes compétences, donc je pense qu'on va débloquer ça plus tard. Donc on y va, je pense qu'il faut aller hop dans ce grand bâtiment là-bas. Il y a des petits insectes, il y a de la végétation. À mon avis, là, ça va être un petit peu de plateforme pour rejoindre le bâtiment. Hop. L'endroit a l'air sûr pour méditer. Oui, ça c'est sûr. Ah, c'était quoi cet effet visuel? Faut-il que j'appuie là? Non, ça ne fait rien. J'ai mon sabre. Regardez, je peux laisser des traces. Partout sur le sol. C'est ici pour méditer. Regardez, j'appuie. Et c'est là qu'on va, à mon avis, pouvoir faire les compétences et tout. Point de sauvegarde. D'accord. Donc on peut sauvegarder ici. Donc un peu comme dans Tomb Raider, les derniers. On peut sauvegarder ici. Et améliorer nos compétences. Alors regardez, il y a un grand arbre de compétences. Frappe haute, débloque un coup puissant qui s'avère mortel sur les ennemis les plus faibles. Bon, je peux rien choisir d'autre, donc je la prends. Ouh, c'est trop beau. Ah d'accord. Il faut appuyer sur Y. Donc on a débloqué déjà un nouveau truc. Bon, bah ça on débloquera plus tard, parce que là je n'ai plus de points de compétences. Se reposer. Allez, on se repose. À mon avis, ça recharge d'énergie. Voilà. Les ennemis sont réapparus. D'accord. Et on quitte. On a terminé la méditation, merci. Oula, ça avait l'air intense. Oh, c'est qui lui? C'est le BD1. À mon avis, c'est lui qui va nous accompagner. BD1. C'est elle que... Moi, c'est Cal. Serre voulait qu'on rencontre. Boubip? Ouais, ça va. Mais... Ah, il comprend les Boubip, d'accord. Très très bien. Non, pas toi. Je recherche... Un Jedi, je crois. Mmh. Attends, tu le connais? Qu'est-ce que tu sais? On dirait un petit chien à deux pattes. Oh, il m'ouvre les trucs. Ah bah d'accord. Pirater ce truc? Merci. Merci. Oh bah. Il fait les dialogues après moi. Alors. Oui, c'est ça que j'ai débloqué. Et bim. Et boum. Est-ce que je peux enchaîner? Bim, bim, bim. Oui, bon. Allez, on y va. On passe par là et on s'accroche. La musique, elle est magnifique. Je sais pas qui a composé la musique. Ça m'étonnerait que ce soit John Williams, celui qui compose les musiques des Star Wars, mais en tout cas, c'est pareil. Oh, des traces. Ah non, c'est la carte. Je crois qu'il nous montrait les traces de pas par terre. Ok. C'est mon objectif. On a la carte en hologramme 3D. C'est génial. Ok, bah on y va. Comment qu'on quitte? Oui, d'accord. Pivoter. Ok, mais... Comment... J'ai compris. Ah, il faut que j'aille là-bas. Non. J'ai compris. Comment j'enlève cette carte? Attendez, j'appuie sur tous les boutons. Ah, d'accord, il voulait absolument que je fasse... Oui, mais j'avais compris. Allez, c'est bon. Ok. Chemin inexploité, d'accord. Donc, on voit, regardez, là on n'a pas été, là on n'a pas été, mais c'est normal puisqu'on nous bloque. Fermez le locarte. B. Et comment on l'ouvre? Alors, cette touche-là, c'est le select. Et comment...
Comment on ouvre la carte? Pardon, mais je peux plus ouvrir la... Alors, à mon avis, c'est avec BD1. Et comme il est occupé... Ok, ça doit être lui qui... bah, je peux aller là. Voilà. Non, je ne peux point. Une suggestion? Il faut que je parvienne à franchir ce gouffre. Bah, c'est pas grave, on va passer par là. Hop. Oula! Il y avait des lézards là. J'adore la plateforme. Je sens quelque chose. Boubidoup, boudoubidoubidoubip. C'est une sorte d'arène. C'est. Oula! Ils sont méchants eux! Ils vont m'attaquer ou pas? Bah comme ça il m'attaquera plus. Ah! Mais. Oui d'accord, j'ai tué l'un des vôtres, mais. Je les coupe en deux, on dirait des gros crabes. Hé, le petit lézard! Est-ce que je peux aller là? Je sais pas. J'aurais peut-être pu, mais j'ai oublié d'appuyer sur la touche. Ah, attendez, je vais réessayer. C'est une impasse. C'est sûrement ce qu'a voulu me dire BD1. Non, je peux pas. D'accord, je t'écouterai peut-être la prochaine fois. Ok. Mais il m'a rien dit, hein. Ça va. On se calme, hein. Il m'a strictement rien dit. Je vais sprinter un petit peu. Oui. Oui, 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 oui. Oui. Hop là. Oui. Là, faut que je fasse un grand saut. Nope. Qui est là? Hein, par là. Je te suis, BD1. Bdin. Bdin. Une tyrolienne? Ah. C'est la chute. Oh bah, c'est rapide. Oui. Ah, mais c'est grâce à... C'est grâce à mon petit robot. Oh, les petits. On dirait des Evoli. Tu savais pas? Sympathique. Oui, allez, on va recharger son énergie. Ce sera pas plus mal. On y va. Se reposer. Voilà, merci. C'est rapide. Et c'est pratique. Par là, il n'y a rien. Je pense qu'il faut que j'aille là-dedans. Ouvre-moi ça, BD1. Je crois que c'est scellé. Oh non. Bon, bah, on continue. Non, mais... Voilà, les plantes là, ça suffit, mais ça suffit. Allez, pirate-moi ça. Non, il faut passer par... Attention là-bas, ça a l'air dangereux. Oui. Biboup, bidoup. Et hop. Waouh. C'est qui ça? Hé hey. Il est méchant, hein. Mais... Hé, hey, non mais alors toi, tu te calmes tout de suite. Voilà. Ça t'apprendra. Non mais ça va, oui. Il était debout. Arrête. Ils sont méchants. Quelqu'un d'autre? Un autre monstre? Oups. Alors attendez, là je pense qu'il faut que j'utilise la force. Et je passe en dessous. Oui. Hey, c'était plutôt courageux. Ça va pas? Bravo BD1. Attends. Oh non. Je peux peut-être t'aider. Il a abîmé. Tu veux bien? Toupi. Oh. D'accord. On dirait vraiment un petit animal de compagnie, c'est trop mignon. Alors que c'est un robot. C'est du métal. Voyons. L'interconnecteur m'a l'air HS, mais ça devrait t'aider à te déplacer pour l'instant. Bah, il sait tout faire, Cal. Et c'est ça. Mmh. Le sanctuaire? Ouais, c'est là-bas que j'allais. Bip tweet. Okay. Alors, on doit d'abord trouver un moyen de sortir d'ici. Ok, bip tweet. Alors, qu'est-ce qu'on a? Personnalisé le sabre laser, parfait. Oh, oui. Là, maman, il y a un truc que j'ai débloqué avec couleur bleue. Ah bah oui, bleu, c'est ma couleur préférée. Non, bleu. Émetteur. Ah voilà, c'est ça. Contenu premium, c'est ça que j'ai débloqué. Alors, est-ce qu'on veut celui-ci? Ou celui-ci. Je sais pas. Je crois que je préfère celui-ci, mais... Celui-ci est sympathique. Celui-ci, il est un peu gros. J'hésite entre les deux, là. Je crois que je vais prendre celui-là.
Ah oui, bah il faut que je mette les choses qui vont avec. Attendez. C'était le Umbara. Ah, finalement, je préfère ça. Bon, remarquez, je peux mélanger les styles. Comme ça, il sera vraiment à moi. La poignée. Non, vous savez quoi? Je vais tout mettre en Migetu là. Comme ça, il sera vraiment bien fait. Et le matériau. Ça sert à rien, c'est des petits détails, on les verra pas, mais c'est marrant. Voilà, j'ai personnalisé mon sabre laser. Ouh, sympathique. Ensuite, là, il n'y a rien à faire. Là, il n'y a rien. Bon, on y va. BD, Ah. c'est un peu étroit pour moi. T'en fais pas, je trouverai bien une autre sortie. Ok, par là. C'est étroit, mais ça devrait aller. Maintenez pour vous éclairer. Ouh, ça fait lampe! Je dirais que ces plantes mènent quelque part. Ok, bon, on va y aller. Mais avant, je vais faire un petit tour, voir s'il n'y a rien à récupérer. Ça a l'air bien abandonné. Oh. Par là. Et par là. Waouh. Quelque chose me dit que si je frappe, je vais me faire mal. Ah. Mais bon, c'était prévu, donc tout va bien. Ouais, je vais m'en remettre. Biboop. C'est lui qui va m'aider. D'accord, et j'ai une réserve. J'en ai deux. T'es plein de ressources. Yes. Ça fait du bien. Ça fait du bien. Boubo. Okay. On va réessayer. Bah non. Okay. Il est plus malin que toi, lui. Oh, tout le monde à bord. Ah, il voulait juste que je le porte. D'accord. BD1. D'où tu débarques? Tu te souviens pas? Un droïde peut être amnésique? Non. Oui, tu marques un point. Coupé. Ah. L'holocarte, c'est ça. D'accord. Et hop là. Ah bah quoi? Ah non, je veux monter. Ah d'accord, c'est cool, c'est un petit ascenseur. Hop là. Alors qu'est-ce qu'on a ici? Je crois que le Jedi nous laisserait nous servir. Bah oui. Il y avait quoi dedans? Quelque chose d'utile? Un émetteur. Ok. Vous pouvez changer les pièces de votre sabre. Ah bon? Un émetteur? Attendez, je vais aller voir ce que c'est. Wouh! C'est dans la catégorie émetteur. Parce qu'ils nous ont dit qu'on pouvait personnaliser juste après. Oui, émetteur. Ah. On a récupéré ça. Ah. Ça fait quoi si je mets tout en comme ça? Oh, il est stylé quand même comme ça. Ouais, je vais le garder comme ça, finalement. Oh. Allez. Oui, il est très joli. Allez, continue maintenant. On a une aventure à faire. Hop là. On prend le petit ascenseur cordelette. Hop. Oui. Et on va par là. Oh, mais où est-ce qu'on va? Mais le pot. Ils sont sérieux? Ah bah non, mais on vient de là. Non, mais moi alors. Bah on va sortir. Ah non, on va par là. C'était pourtant évident. Regardez-moi ça. C'est là qu'on doit aller. Je peux le sentir. Boum. Bonjour. Allez, petite tyrolienne, s'il te plaît.
Et hop. Oui. Youpi. Et hop là. Waouh. Il faut aller là-bas. Et on ira. T'as fait une carte des lieux qu'on a traversés. Ouh, super. Bravo. Bloqué, disponible. Très bien, très bien. Eh bien, écoutez. Ah oui, je peux changer les étages. Ok, d'accord. C'est bon, j'ai compris. Nouvel objectif. Je peux pas passer par là. Il faut qu'on trouve un autre accès. Ok. Explorer Bogano, c'est le nom de la planète, pour trouver un moyen de traverser le gouffre. Ok. Eh bien, on fera ça dans la prochaine vidéo consacrée à Star Wars Jedi Fallen Order. Décidément, je m'éclate. J'espère que vous aussi. Eh bien, bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner, d'appuyer sur la cloche et d'activer toutes les notifications pour être sûr de ne rien rater. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Que la force soit avec vous. D'ici la prochaine, portez-vous bien. Plein de gros bisous. Bye!